quelque chose vous tracasse, Paul. Je vois bien. Ce doit être les chaussons. Ils rétrécissent. Je suis à l'étroit. Quelle amusante expression domestique, pour ne pas dire que vous vous ennuyez à mourir dans votre foyer. Sans votre lumineuse présence, Nantes n'aurait plus aucun attrait pour moi, je l'avoue. Bah, j'aurais dû épouser dans la bourgeoisie que je méritais par ma naissance. 7 ans de mariage ne m'ont pas fait changer d'avis, Louise. Vous êtes la seule épouse qu'il me fallait. Merci, mon chéri. Sachez que j'apprécie toujours nos retrouvailles dans le charme tranquille de notre intérieur. Du chocolat? Pas trop. Bien. Il est dommage que notre union nous en ait donné si peu et si rarement. Du chocolat? De ces moments si particuliers qui font que je vous aime encore, Paul. Mais il est trop tard pour me plaindre. Je fais avec ce que j'ai. Enfin... Bon, voulez-vous que je vous entretienne de nos affaires? Elles vont bien, n'est-ce pas? Elles se portent d'autant mieux que vous les négligez. Nos deux navires ont rapporté leur plein de nègres. Du moins, ils étaient pleins quand ils ont doublé la côte des esclaves. Mais une tempête s'est acharnée sur la Louise. 23 hommes se sont noyés dans le dernier entrepont. Heureusement, le capitaine Pic avait pris la précaution de trier la marchandise à l'embarquement. De toute façon, nous aurions vendu cette partie gâtée une bouchée de pain. Ce Pic est précieux. La Louise vient d'accoster sans autre incident, à part les fièvres qui ont décimé l'équipage. Dieu merci, on remplace plus aisément un équipage qu'une cargaison. Donc en comptant les voiles, les primes aux familles, la messe de miséricorde en leur mémoire, la perte de... 25% de nos nègres, les taxes, il vous reste... Un important bénéfice, rassurez-vous. Je ne suis pas démunie. Et je peux encore éponger vos dépenses, mon ami. Tant mieux, tant mieux. Alors, allez-vous vous décider à me dire ce qui vous préoccupe? Les enfants sont couchés. Ils attendent que vous montiez leur faire la surprise de leur souhaiter bonne nuit. Bien, j'irai tout à l'heure. Ma fidèle Louise, voilà des années que vous me reprochez de folâtrer, allant jusqu'à me recommander une liaison tranquille qui ménagerait ma santé et notre argent. Je vous ai souhaité une liaison plutôt que la débauche, comme si je vous souhaitais la fièvre plutôt que la vérole, si vous voulez à toute force être malade. Mon vœu était que vous déshonoriez le moins de femmes possible. Mais vous savez que j'ai essayé, hein, à Paris, car le respect que j'ai pour vous me retenait de tenter l'épreuve à Nantes. Une femme de théâtre? Mademoiselle de la Cour. Mais nos relations tournent à l'orage dès que nous quittons son lit. À Cadix, c'est Dolorès, la fille de mon aubergiste, qui s'est jetée dans mes bras, flattée de faire l'expérience de la noblesse. Entre la jalousie de Mademoiselle de la Cour et l'obstination de Dolorès, j'aspirais à trouver un peu de calme. Et j'en arrive à ma grande dame de Séville. Bah, que faisiez-vous à Séville? Bah, j'avais l'espoir d'y arranger nos créances. J'ai rencontré un aimable garçon, un certain Pablo de Segura. Il arme des navires pour les Amériques. Sa famille, une des premières d'Espagne, dispose d'une fortune considérable et a le bras long. Si bien que vous vous êtes aussitôt arrangé pour devenir l'ami de ce Pablo. Évidemment, sa fréquentation pourrait nous être profitable. Elle l'a été pour moi. La sœur de Pablo, veuve du marquis de Pozzo Branco, a eu la bonté de me recevoir chez elle. Elle ignorait sans doute à qui elle avait affaire, la malheureuse. Elle n'est point idiote, loin de là. Vous pourriez vous donner la main, car elle ne rate pas une messe. Je ne vous infligerai pas la liste de ses séductions. Prenez les vôtres et ajoutez-y le caractère ardent d'une femme qu'une longue apathie au plaisir charnel a préparé à cette sorte de surprise impatiemment attendue. Quelle surprise! Parlez clairement, je vous prie. Bref, en moins d'une heure, j'ai eu la joie d'éveiller à l'amour Madame de Pozzo Branco. Elle s'est ensuite refusée la semaine qui suivit cette faiblesse, ce qui a accru mon penchant. À force de persuasion et de messe basse, nous sommes maintenant heureux l'un de l'autre et Maria Teresa souhaite naturellement le mariage. Pardon? Attendez! Notre liaison risque à tout moment d'éclater en scandale. Le danger accroît certes le plaisir, mais je n'en dors plus. Les affaires que je noue en Espagne partiraient à la dérive si nous nous faisions prendre.
Mais vous n'avez qu'à rompre, Paul. Mais je suis aimé d'une femme qui a tout risqué pour moi et que j'aime d'une force que je n'avais pas ressentie depuis le retent de notre mariage. Vous ne m'avez jamais épargné les offenses, mais là, vous vous surpassez. Avez-vous songé à votre honneur et à celui de vos enfants? Oh, Louise, pardonnez-moi. Que me conseillez-vous? C'est à croire que j'ai un don pour les complications. Vous n'envisagez pas sérieusement le mariage. L'argent coule à flot dans cette famille. Bien entendu, il faudrait que je me fasse passer pour le propriétaire de votre flotte. Mais je ne vous décevrai plus par mes dépenses excessives. Je ne me remarie pas sans songer à vos intérêts. Cette dame ignore même votre état. Ah, je me suis bien gardé de le lui révéler. Et personne ne doit le deviner. Après tout, je ne serai pas le premier bigame. Et les chances d'être découvert sont bien faibles. Et sa famille? Un oncle inquisiteur. Des frères mauvais coucheurs qui cultivent le sens de l'honneur jusqu'à l'obsession. À part Pablo, qui est plutôt bonne patte. C'est à peu près tout. Vous ne voyez donc pas, mon ami? Il y a là autant de fissures dans votre projet scandaleux par lesquelles le secret peut s'échapper. Encore faudrait-il qu'ils le sachent. Et qu'en le sachant, ils aient le mauvais goût de le faire savoir. Eh bien, vous repoussez l'inconscience au-delà de toute borne. Vous voulez un conseil? En voilà un. Renoncez. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous avez la rage des femmes. Et ce que vous envisagez est pire que mal et vous perdrez d'une façon ou d'une autre. Il y a des trahisons qu'on ne pardonne pas, en Espagne moins qu'ailleurs. Il faut donc que je lui fasse mes adieux. Oh, mais telle est la voie du bon sens. Je suis touchée de la confiance que vous me faites en me consultant sur un sujet aussi imprévu. Vous savez que je vous aime pour vous, dont l'âme pour de si grands périls. Il est temps, montez embrasser vos enfants. Ah! Embrasser une dernière fois Marie-Thérèse. Surtout pas! Écrivez-lui, l'histoire n'ira pas plus loin. Ne remettez jamais les pieds en Espagne. Paul, je vous en conjure. Fuyez la tentation d'y revenir. Pas d'imprudent.